La nuit vient de tomber sur Collioure et on attend la procession du Vendredi Saint. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais juste que j'ai un cierge, que j'ai le droit d'allumer dans 15 minutes. Et pour le reste, bah, on va voir. C'est catalan et c'est à 1415. Elle sera mieux vous répondre. Non, à 1415, Ferrier avait. C'est lui qui a instauré la procession de la Saint. Alors, c'est une tradition dans tout le Roussillon. Avant, il y en avait dans chaque village et maintenant, il n'y a plus qu'à Perpignan l'après-midi. L'originalité de Collioure, c'est que ça se fait la nuit. Et c'est la commémoration de la croix du Seigneur, du chemin de croix du Seigneur. En rouge, on dit que ce sont les condamnés qui étaient en rouge. Voilà. Et en noir? Et en noir, les autres, les pénitents. Et pour pas que la foule les lynche, ils étaient mélangés avec les religieux ou même des notables qui étaient cachés sous les cagoules, quoi, sous les capables. La procession s'est terminée hier soir, mais les festivités continuent tout le week-end ici à Argelès. Et d'ailleurs, je crois que j'entends des chants catalans. Dans les rues, on chante les chants catalans, en souhaitant bonne fête à tous les Argelésiens et à tous les estivants. Et ce matin, nous faisons les quartiers et nous chantons le Gorge des Hommes. Ce sont des chants plus ou moins religieux, afin de récolter des victuailles, des œufs, de la charcuterie, etc. Et ensuite, le lundi de Pâques, nous faisons l'omelette pascale. C'est la Sistei, c'est le panier qu'on descend pour les chanteurs qui viennent au moment de Pâques faire les chants religieux en général pour fêter Pâques. Après on leur donne les produits qui leur servent à faire l'omelette pascale et un grand repas entre eux. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le pourou ça, c'est du muscat. Vous en voulez un peu? Voilà. Voilà, donc faut le retirer un peu, faut le mettre dans la bouche. Il faut le monter. Ouais, bien là. Ah là, c'est bon, là. Bravo. Tu en as mis? Alors, c'est bon? C'est excellent. Après, on vous le met dans il un petit verre. Et c'est pas de l'eau, hein. Ouais.